Salut les copains, salut tout le monde, comment ça va? Bon dimanche à vous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va pas trop mal. Comme j'ai dit, c'est dimanche, donc forcément ça va bien. Un peu dur de... Salut Calmandris. Un peu difficile de sortir du lit ce matin, c'est compliqué. Tu sens que tu te fais vieux là. Tout qui craque. Comment ça va Dr. Jones? Plo à toi aussi Dr. Jones. Plo à toi. Bon, on s'est fait... tout a l'air de fonctionner plus ou moins correctement. J'ai toujours mon activité feed qui m'a dit... non. Je sais pas ce qu'il veut. Mais donc on va se faire gentiment, tout a l'air de fonctionner, on va se faire du Zelda. Et après on fera un peu d'arcade. Écoutez, ça va bien, ça va bien, ça va bien. J'ai préparé de quoi faire du contenu pour la rentrée, en commandant de quoi faire du bricolage. Salut Argol, comment ça va? Ça va? T'es pas en live toi? Qui couvert? Ah, t'as fini? T'es pas en live ce matin? J'ai cru voir une notif. Bah écoute, ça va, je sors du lit, je suis au café, et puis on va se lancer sur du Zelda. Juste fais un test, ok. J'étais au lit quand j'ai vu la notif. Mais bienvenue dans le 21e siècle, Argol. Bienvenue dans le monde magique d'OBS, où tu peux faire plein de trucs jolis. Regarde tes petites barres de chargement, la musique qui passe, le chat qui s'affiche... Des petites aberrations chromatiques pour faire rétro. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, pour ceux qui veulent faire des images cool, des effets cool, un nouveau module a été mis à jour pour OBS qui s'appelle... J'étais chargé hier soir. Cela s'appelle... C'est Shader... Shader Filter, ça vous permet de faire justement les aberrations chromatiques là que vous voyez avec le vert qui dépasse de l'image qui donne un côté flou. C'est de l'aberration chromatique RGB. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire pour rendre le live et unique. Mais si jamais d'ailleurs Argol, si jamais tu as besoin de conseils ou de conseils pour OBS, tu me dis, on se fait une call, je te montre 2-3 trucs parce qu'il y a beaucoup de choses possibles, enfin il y a beaucoup de possibilités. Tout en étant moins gourmand qu'un Streamlabs. Non, c'est pas Streamlabs. Si, c'est Streamlabs OBS. Ou XSplit, c'était XSplit que tu utilisais toi? Je sais pas si t'étais encore sur XSplit. Il mange encore XSplit? Ah t'as XSplit ouais. Je sais pas s'ils ont réussi à survivre ou t'as une vieille version que tu utilisais toujours. Parce qu'OBS avait le défaut entre guillemets d'être un peu obscur. Ouais ça fonctionne ok. OBS avait le défaut d'être un peu obscur, mais ils se sont bien rattrapés là-dessus. Mais le côté gratuit quand même, avec même Streamlabs OBS, qui en fait est un OBS avec une surcouche de Streamlabs, qui a été racheté par Logitech d'ailleurs récemment. Mais bon, écoute, si c'est encore mis à jour, tant mieux. Hein. Mais voilà. Écoute, configure tout ça et puis si jamais t'as besoin, tu me dis. Nous, on va brancher le boutier et puis relancer Zelda. Ah, oh, j'ai fait un truc hier soir, j'ai mis à jour mon... J'ai rechargé, changé la batterie de mon lecteur mini-disc. Ce soir, premier strip, on verra. Et écoute, si je suis dans les parages, je dois être dans les parages cet après-midi. Si je suis dans les parages, je me connecte. Je vais aller faire le feu d'artifice ce soir. Tous les ans à Montréal, il y a le festival du feu d'artifice. Et donc, quasiment tout l'été, toutes les semaines, tu as entre 1 et... Et oui.
toujours. Entre 1 et 2 feux d'artifice par semaine, donc on se fait ça. Mais ouais, absolument. J'ai commencé hier, c'est ça. Je suis... Non, c'est pas chiant à configurer OBS. Non, non, c'est pas chiant, ça se fait... Il y a 2-3 petits trucs, peut-être 2-3 petites premières vidéos à regarder, histoire de comprendre le fonctionnement, mais ça se fait facile. J'ai changé la batterie, et j'ai chargé ça. C'est un truc que j'adore, parce que j'ai un gros défaut, je sais jamais quoi écouter. Et on a tellement de choix aujourd'hui que je n'écoute... Enfin, je sais plus quoi écouter. Donc soit je me mets ma... J'ai une grosse playlist sur mon PC, de tout un tas de morceaux qu'on ne trouve pas forcément sur les plateformes. Soit je me mets ça en random et puis basta. Soit ben, j'aime bien me mettre directement le lecteur mini-disc parce que ben, ça te restreint parce que tu choisis ton mini-disc et t'écoutes ça. Ah oui, c'est un petit peu plus chiant pour toi. Elle. Ouais, mais une fois que tu as... Je suis juste un amoureux. Alors, c'est pas encore... D'ailleurs, pour ceux qui aiment encore le mini-disque, ce n'est pas encore compatible avec mon modèle. Il faut que je fasse un petit truc. Mais ils ont développé une interface web pour pouvoir importer les MP3 sur les mini-disques. Je trouve ça génial parce qu'il faut savoir que Sonic Stage, le logiciel de Sony, pour les mini-disques, n'est pas compatible depuis Windows 8. Donc si vous voulez utiliser Sonic Stage, il y a une astuce à faire. Il faut installer un pilote modifié, puis... mais il faut déverrouiller Windows en passant en mode maintenance. Enfin, c'est un peu casse-tête. Avec grand plaisir. Il m'en reste encore. En vierge, il me reste encore quelques-uns. Donc encore un peu de marge. Il m'en reste. Moi, ce 4 encore en vierge. Mais alors, l'avantage de ce modèle-là, j'en ai deux de mini-disques, mais celui-là, c'est du AMD. Et le IMD, c'était un peu comme du stockage MP3, donc tu pouvais faire des sous-dossiers et compagnie. Et tu pouvais mettre beaucoup plus, je crois, jusqu'à 5 ou 6 heures de musique dessus. A plus tard, bonne configuration. Bon, alors on disait... J'étais en train de me brancher. Chez lui. Là. On va basculer sur la scène de stream. Hop. Et on est parti. On est parti. Alors, hop, mettre le micro. Hop. Bah alors. Il y a un petit coup de mou le micro. Il fait. On va ouvrir. Alors, projecteur source. Et on est bien. On est bien, Tintin. Alors, ce que je pensais faire aujourd'hui. Ce que je pensais faire aujourd'hui, déjà c'était couper la musique, c'était refaire les statues dans les profondeurs. Allez, regardez, attendez. On joue bien sûr sur ma manette toute belle, toute neuve, hein, avec des sticks tout beaux. Donc je comptais faire... Alors attendez, c'était où ? Son chemin dans la chasse Zelda, non, c'est pas ça. Euh...
Tout un fromage. Quête de vérité, c'est pas ça. Non. C'est ça, appel des profondeurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se téléporter pour gagner un peu de temps. Sûr qu'on passe pas 2 heures à juste y aller. On y va. C'est pas si tout est ok niveau son. Tout a fonctionné, on a 88 sanctuaires. Je crois que je suis passé devant Calmandris, niveau sanctuaire. Virer le café, c'est ok. Mais on va passer là-dessus. Attends, une bombe, on va prendre une bombe là. Juste de 2. Ok. Je veux ma bombe. Oui, bien sûr. Je veux ma bombe. Voilà. Alors, on va remonter. Non mais tu fais bien de te garder les sanctuaires, y'a aucun problème. Ah bah y'a... Il y avait beaucoup à transpercer. Je vais virer la souris parce que t'es en plein milieu. Donc c'est derrière moi, on va avoir la première abîme. Ouais c'est ça. Je pense vers là. Hop. Ça va être par là. Je suis passé devant, donc ça doit être... Est-ce que... Faut que j'arrive en fait... Ah c'est bon, j'ai la bonne direction. Juste à me repérer sur la carte. Ok, je suis pile poil dans la bonne direction. Pourquoi je le vois pas dans l'abîme ? Eh oh l'abîme ! Allez là. Donc on est censé avoir un œil par là. Nous sommes censés avoir un œil quelque part par là à jeter. À moins qu'il soit sur une île céleste. Alors, non, il n'y en a rien là-haut. Je me complique la vie, ok. Ah bah il était dessous. Ok. Eh non, c'est bon, je l'ai vu.
Et il faut juste les mettre dans le trou ou faut descendre et les poser aussi? Bah, je vais suivre. Et j'étais déjà allé. Quelques... Tu vas te calmer, oui. On me dit, en l'agression directement. C'est rigolo comme ça, on dirait un ocarina. Coïncidence. Alors. Ok, le génie il est là-bas. Donc on va se mettre ça sur... Ok, c'est gentil, merci. Non, je l'ai pas trouvé le bouclier, hein. Non, je l'ai pas trouvé encore le bouclier Ilien. Hop. Alors, sous le château, il y a un passage secret. Oh. Ok. Ça sera pour un... Je pense que ça pourrait être cool pour un prochain live. Je sais, je pourrais faire mimer, mais... J'aime bien faire mon petit vaisseau. On va lui mettre au taquet de réserve, vu qu'il y en a. Tac, et on va lui mettre des phares, parce que c'est cool les phares. Bon, c'est bon, maintenant que je bute des Lynel et des... Et des griottes, je peux me faire... Je peux me faire des les mains. Hein. D'ailleurs, il faudrait que j'aille faire le fantôme de Ganon. À l'occasion. Ou l'aventure, ou quoi. Ça pourrait être pas mal de continuer l'histoire. Oui, des griottes. Moi, j'appelle ça des griottes. Alors. C'est bien de mettre des réservoirs de trucs, mais ils sont quand même assez asthmatiques. Hein. Ok, on y est. Il est où le génie là?
Je l'ai pas trouvé la statue ici. Est-ce que j'y suis là? Ouais, j'y suis. Génie! Tu es où? J'ai qu'un escalier là pour monter. Là franchement je l'ai cherché une demi-heure la dernière fois, je l'ai pas trouvé ici, donc je veux bien que tu m'aides. Parce que j'ai pas trouvé la statue du génie ici. Tourne. Pardon, grosse fesse, caillou. Ouais, je regarde ma map. Il est censé être là, le génie. Je l'attaque. Je suis pile poil dessus là. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y a un truc dessous. Pour ce bâtiment tout long en bas à gauche. Attends. Tu vois le morceau de bâtiment tout long en bas à gauche. Là. Ou là. Ah, ça là? Attends. Ça? Il y a ça? Encore un peu à droite. Là. Ok. Ok. C'est pas du tout là où il indique quoi. Ok d'accord, c'est un grand escalier. Alors on va se diriger vers là-bas. Et en fait moi je suivais la carte de façon scolaire. Alors, on va suivre le truc. Ok. Ouais, t'as aussi des tournées en rond, ouais, ok. Bah, tu me rassures en effet. Ok, je suis sur le long escalier. J'imagine qu'il faut suivre les statues après. Alors. Ah, remonte, pardon. Relib. Attention, je crois que tu fais un AVC. Ouais.
Oh, une entrée là. Ok. Ah oh ouais, mais les salauds. Alors, c'est quand même ultra classe, hein, qu'on se le dise. Non, mais t'inquiète. C'est... classe qu'on se le dise, ouais, non, c'est très très beau. Alors. On va te mettre un œil. Ok. Tu m'as restitué un de mes yeux. Souviens-toi les abîmes vers lesquels je t'ai guidé sur le plateau. Rapporte-moi jusqu'au dernier de tous mes yeux situés non loin d'eux. Alors on va récupérer quelques âmes parce que c'est toujours pratique pour acheter des bombes. Et on va chercher. Il y a quoi d'autre en bas? Oui, je me penche. Il y a des âmes. Allez, quelques âmes. Et après, on va en remonter. Ah, il y a un coffre. J'ai bien fait descendre. Et c'est nickel ces petits sticks là, tout neuf. J'ai l'impression d'avoir une maille toute neuve. Petit coffre. Pour toujours. Allez, on remonte à la surface. Se téléporter là et 2-1, plus que 3. Je trouve ça assez cool. Enfin, t'as vraiment l'impression de découvrir de nouvelles choses dans les sous-sols et c'est assez grisant comme sensation. Bon, qu'est-ce que vous êtes prévu de beau en ce dimanche, même si votre dimanche est quand même bien entamé. C'est l'heure du goûter, j'imagine. Alors. Ok. Je suis dans la bonne direction. Petite chauve-souris. Ça servira toujours contre les griottes. J'appelle ça des griottes parce que moi je les cueille avec la queue. Un petit dragon. Faudra qu'un jour on s'occupe des labyrinthes aussi. Il y a tellement de choses à faire dans le jeu. Oh, hallucinant. Eh, viens toi. Ah. On va prendre un peu de hauteur pour pouvoir planer jusqu'au truc. J'imagine que là-haut il y a un Kourougou. Ah non, il y a une épée. Ah, là il y a un Kourougou. Toujours. Yeah. Yeah.
Oh, ok, bah pile poil, je vois l'abîme face à moi. Encore un temps superbe. Lui c'est gratuit. Est-ce qu'on a... C'était bien tout ce métal, j'ai vu une notif... J'ai vu une notif sur Beta Serré qui me disait ah ça y est tout c'était métal ça a commencé. Ok, et moi je vous ai maté Secret Invasion d'abord. On m'a dit que c'était bien mais pas top. Ouais. Ça commence pas mal. Et c'est quoi un peu le scénario? Alors, je t'avouerai que j'ai pas retenu le scénario du jeu. Il y aura un Kourou quelque part par là aussi, mais... Alors... Un homme peut voir son mode de vie s'améliorer s'il accepte de livrer des colis à travers les... Ok, d'accord. C'est du FedEx. J'ai pas un truc de feu, là? On va se faire une... Ah si. Ok, un œil. Ouais, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre là-dedans? Non. On aura un court au goût là-dedans, mais... J'imagine que s'il mettait des fruits de glace, c'est qu'il y avait un truc à faire, mais je vais prendre ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Je peux pas me faire un... Ok. Hey, pourquoi t'es en sous-sol? Ça c'est ma manette, c'est la Switch qui est en train de me glitcher. Non mais je suis en train de faire du caca. Comment perdre des cœurs facilement? Alors. Bon, on verra ça plus tard. Mais clairement, il y a un Korogu par ici. Donc toi, je te jette dans les fonds. Semblerait que ce soit une abîme que je n'ai pas découvert ça. Alors. Thank you.
Ok. Va être chiant. Ah non, ça va. Malin. Malin que ça. Ok. Pas le temps de sortir. T'as encore un? Ok. Oh, qu'est-ce que je fais? Ok. On va quand même prendre le sonium parce que c'est toujours bien à prendre. Ah, il sonium là aussi. Alors... Alors, est-ce qu'il faut que je prenne le truc de droite gauche ou de droite? Ça a l'air d'être celui-là. Hein. Ah, est-ce que ça serait pas trop évident? De toute façon, celui-là, il est pété. Bon, allez, c'est celui-là. Ok. Viens par là. Reviens par là, toi. On ira après. Je te mettrai une roquette aux fesses. Est-ce que j'ai des cailloux? Non, bon, ouais, c'est bon, j'ai des cailloux. On va aller faire un peu de plein de sonium. Pantalon de mineur, oh cool! Il me manquera plus que le masque de mineur. Pour aller draguer Norman. Sonium en pagaille là. Merci. Ouais, mais j'essaie de m'y arrêter en général dans les mines parce que même si il y a pas forcément grand chose à trouver. Voilà, c'est toujours tombé sur des gisements de sodium comme ça pour faire le plein de sodium. Allez, on va claquer une bombe parce qu'on est riche. Je fais un peu le plein de bombes récemment, là. Hop là. Et plus de sonium, ok. Allez, on remonte. On va remonter encore un peu.
Ok, on est à la mine. Les rats, ils sont là. Non, c'est pas ça que je vais faire. Allez, on va prendre un peu de vitesse. Allez, normalement mon œil, merci. Ouais, deuxième rail à prendre là. Ouais, t'as vu ça? Je suis Link and Furious. Non, on s'en fout, on l'a collé à l'arrache comme ça. On va. On va lui foutre deux fusées. Non, pas comme ça. Hop. Et c'est la foire à la fusée là. Et on va mettre de la batterie. Coller. Hop. Le chat qui rôde. Mais il n'y a pas de Lego pour toi le chat aujourd'hui. C'est mettre un peu de chaque côté pour équilibrer. On est parti. On avance, on avance. Et c'est pas mon cœur qui balance. Je suis sûr qu'on va arriver directement dans la mine, non? Et on arrive directement dans la mine. C'est pas beau ça. Ah, lequel il y a ? Ok, celui-là, il a l'air de monter tout en haut. On va profiter pour récupérer 2-3 âmes qui traînent au passage. Loupé. Ah, on est devant les... Nous étions en bas des... Voilà. Du golem. Du génie. La partie à frotter du génie, quoi. Attends, excusez-moi. Mon chat. Allez. Il est où l'œil? Attends, il était là, l'œil.
fous ma gueule ou quoi? Salem? Il est passé où là? Je fume ou quoi? Attends, je comprends pas là. Est-ce qu'ils me l'ont mis là où il y a le drapeau? On va monter. Je voulais mettre ma chemise, j'ai oublié de la mettre. Ok. N'importe quoi. Dans le chat. Je comprends pas là. Ils m'ont foutu l'œil là-bas? Bah ouais. On est d'accord qu'il a disparu hein. Attends, c'est pas possible. On va vérifier puis on va remonter à la surface. Ah plus d'œil, bon on va remonter. Tu veux sortir le chat? Voilà. On va retourner là, on va se mettre un. On va se mettre un truc de téléportation au cas où. Alors je descends dans la mine, je me fais la mine, je pète les trucs, là je pars à 3 mètres de l'œil et il se barre. Ok, ça c'est cette direction là. Et après on va faire une petite pause pipi. Bah tu m'étonnes. Non mais là c'est juste quand...
Alors, est-ce que je le vois? Ouais, ça a l'air, hein. Ça a l'air, j'ai un truc qui brille, ça a l'air d'être ça. Il est là! Tu te foutrais pas un peu de ma gueule là, l'œil? On y retourne. Ok. On est reparti. Eh bien ça. Allez, grimpe. Tu fais un petit champignon. Il y a une zone à visiter là, à gauche, hein. Attends, si. On va mettre là. Non, on va juste lui coller une fusée là au cul, puis ça ira très bien. Oh! Voilà. Ça ne ressemble à rien. On va le garder. On va s'emmerder. Je suis occupé la chauve-souris. Je suis occupé, j'ai dit. Allez. Oh putain. Oups.
Oups. Il est parti où l'œil? Ah il a, ça a clippé ça. J'ai eu peur. Yeah. Ok, on est parti. Je sais pas si j'ai le bouton pour le clip. J'ai pas mis un raccourci pour le clip. Bon, je crois pas. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, je verrai pour le... Ça fait quoi? Ça fait... 1h04, je regarderai sur le replay. Je vais me le noter. Petite pause pipi. Petite pause là, je reviens dans une seconde.
Non, voilà. Tiens, vous le, enfin, toi en tout cas, Calmos, tu ne le savais probablement pas. Mais j'ai appris ce matin via. Alors, il y a un tweet auquel je me suis abonné qui s'appelle Zelda Anecdote. Et. Comment dire. Dans Twilight Princess était déjà placé dans un magasin de capture d'écran du premier trailer de Breath of the Wild. Je trouve ça assez. Assez rigolo comme clin d'œil. Sympa, hein. Surtout que enfin le jeu à l'époque a été ni annoncé ni même nommé et ils avaient pensé à le faire. Alors c'est dans la boutique. Oula, j'ai failli faire de la merde moi. C'est dans la boutique de luxe. C'est dans la boutique de luxe dans Twilight Princess. Faut que tu le fasses Twilight. Hein. Allez, on va faire de façon symétrique. Je te donne des missions, je te fais chier. Hein. Comme je te dis à l'époque, je l'avais vraiment beaucoup aimé. J'y avais passé un certain temps. Ouais. J'y avais passé un certain temps, je faisais à l'époque des sessions de 5 heures et je voyais vraiment pas le temps passer. Il avait un univers qui était vraiment cool. Et il faut que je mette mon téléphone à charger. Je suis un peu loin là. Bon. Et comment ça se fait que t'es passé à côté à l'époque de la GameCube? À l'époque de la Wii même. Dis-moi par quel malheur tu es passé à côté de ce jeu. T'avais pas la Wii. Mais tu sais qu'il est sorti sur GameCube. Et qu'il était mieux sur GameCube vu que sur GameCube tu pouvais éviter d'utiliser la Wiimote. Parce que bon, j'avais trouvé ça rigolo 5 minutes, mais j'ai passé rapidement le temps à faire comme ça. Je vais faire attention parce que j'étais tombé sur une main là. Est-ce que je suis loin? Ah, on va prendre un peu de hauteur. Ok. Ok. Play Xbox. Ok, donc t'as pas eu la GameCube. D'ailleurs, c'est dingue hein, parce que tu sais, on a mis des tirs à hop, à Ubisoft pour le downgrade, mais quand tu vois le premier trailer de Breath of the Wild, puis le jeu, il y a eu quand même un gros downgrade. Downgrade, pardon. Mais oui, il est jamais trop tard. On devrait avoir un œil pas très loin. Est-ce qu'il serait pas caché sous un caillou comme ça?
Alors, était où nos œil? Oui, c'est mal barré. J'ai une copine qui est pas loin de, du burn-out à cause du jeu. Et là en plus ils ont perdu leur DA à Montpellier. Il est décédé. Donc je pense pas qu'il l'abandonne dans le sens où le jeu a coûté tellement cher. Ouais. Et il est dans l'eau. Il est dans l'eau, il est tout propre. T'es pas tombé? Allez, on saute. Oh. Ah. Ça va, le petit freeze? Et le fait d'avoir tout foutu... Alors déjà, le fait que le sous-sol soit l'extrême opposé, enfin l'inverse complet de la surface, c'est très malin parce que du coup ils sont pas fait chier, ils ont pris la map, grosso modo ils ont pris la map, ils ont fait inverser, puis ils ont gagné un temps fou. Mais je trouve que peut-être avoir planqué ça sous le temple du temps, etc., enfin, c'est génial. Un guidon, et tout, ouais, on va passer à un véhicule. Est-ce qu'on a un petit véhicule à faire là? Non, il me le fait à pied en fait. Allez hop, on est parti. Non, enfin ouais, vous êtes pas prêt d'y jouer. Oui. Salut Loulou, je te fais que passer. S'en fout ça. Attends. Oh, c'est une bombe. Ouais, je prends. Mince. Ça, je vais faire juste les deux petites âmes là-bas. Des grosses âmes à 20 là. Tili.
Allez. Esprit démesuré. On est parti. La petite balade. Donc ouais, j'ai commandé de quoi modder la Neo Geo Pocket Color. Donc je me suis pris un écran IPS et j'ai pris une petite carte pour pouvoir se tester les jeux dessus. Parce que malheureusement j'ai pas de jeu Neo Geo Pocket Color. On a vu avec Terry, on va peut-être faire une petite commande groupée là, il fait des commandes au Japon. Parce que lui retape pas mal de Wonderswan. D'ailleurs si ça vous intéresse une Wonderswan, je peux vous donner l'adresse vu qu'il les retape, il les revend. Si c'est une console qui vous tipille l'esprit. Très très bonne console hein, vu que tous les FF, enfin pas mal de FF étaient sortis dessus et pas mal de petits jeux sympas One Piece et tout. Là, il n'y a pas d'escalier de ce côté-là. Et j'espère qu'ils vont faire une sortie, donc une mise à jour de Hyrule Historia avec un peu l'historique de la mythologie de ce Zelda-là, quoi. Là. L'entrée là, parce que je veux en savoir plus sur les génies, sur... Oh, c'est ce monstre souterrain là caché sous le temple du temps. Oh. Et 2-3. Oui, mais merci, je sais compter. Hop. Et le dernier, au temple du temps. Alors, je vais me téléporter là. Mais cette année va être cruciale, là. Il y a eu un gros changement de direction chez Ubi pour la période de Covid n'a pas été bonne pour eux. Et ils veulent. C'est pour ça qu'ils orientent là sur les Assassin's Creed. Ils veulent mettre en avant ce qui marche pour pouvoir pérenniser le futur. Et le Star Wars va être un gros pari pour eux aussi. Hein. Faut pas qu'ils se loupent là-dessus. Et bon, c'est Massive qui bosse sur Star Wars et c'est quand même un gros studio. Ok, comme ça. C'est bon. C'est comme eux, là, les génies, ils étaient chiants dans Breath of the Wild et là, tu les défonces en 2-2. Ok, c'est pas là. Bon, d'accord que ces trucs-là, c'est les fantômes que t'avais dans Ocarina of Time, dans le cimetière. Hein. Je suis dans la bonne direction? Oui, c'est bon. Et c'est comme quand tu regardes trois fois ta montre sans savoir... Je sais pas. Je pense qu'ils ont certains projets. Ils veulent faire, je pense, peut-être du cash. Parce que l'année a pas été super bonne.
Je te suis. Allez. Nous sommes ici dans une partie que je n'ai point visitée. Et pourtant, si. Et cette partie-là qui est dans le lore ? Après, je pense que même si. Comment dire ? Même si les jeux annualisés ont moins bien marché, ça reste une licence très rentable pour Ubi. Et que. On va dire que certaines paroles d'achat. Je dirais pas acharné parce que c'est pas le bon, c'est pas un bon terme. Mais. On va dire qu'on n'est pas la majorité. Donc. Les jeux, malgré les critiques et compagnie, ils ont relativement bien marché, quoi. Ça a touché le sol, ça. On a quoi là? Le planeur. Ah bah c'est ça que je voulais. Fou de la roue. En plus il y a le truc qui va me gêner là. Ok. Est-ce qu'on a des réservoirs ou autre chose? Non. Bah on va faire comme ça là. Il y avait une bombe là. Tant pis. Wow. Alors, hop. Et ouais. Après, j'explique pas toutes les décisions de la direction. Hein. Les trucs qui me. Je pense qu'ils nous dépassent tous. Peut-être certains éléments que je ne connais pas. Ou qu'on ne maîtrise pas. Hein. Mais je pense qu'il faut garder le côté économique en vue. Plus que le côté ludique et succès artistique. Pas oublier qu'on est sur une industrie. Hein. Ok, on a les quatre yeux. Merci de m'avoir restitué les quatre yeux qui renfermaient mon esprit. Je peux ainsi te parler à présent. Je suis celui dont les quatre yeux furent jadis dérobés et qui furent ensuite enfermés. J'attendais l'élu capable d'entendre ma voix et de répondre à ma demande. Et maintenant, je vais te récompenser comme je te l'ai promis. Par un boss. Hein. Je vais t'offrir un réceptacle de ton choix. Lequel veux-tu ? Bon, prends un cœur. Reçois donc le réceptacle de ton choix. Peut-être pas. Peut-être pas. Après, j'avais pas aimé ce qu'ils avaient fait avec Watch Dog 2 et 3, malheureusement. Ok, c'est juste un cœur qui chill.
Moi, j'aurais aimé un truc un peu plus légendaire. Ton vœu est exaucé. Ok. Franchement, j'y fais. Attends, on peut lui acheter des trucs à lui. Ah, la guêtre des ténèbres. Combien tu veux? Deux cents? Facile. C'est rigolo qu'ils te vendent des trucs que t'as déjà. Épée du prélude. Un peu plein de bombes. Ok. Parce que, ah bah oui, c'est pas con. Ok. Donc maintenant, j'ai les deux parties des ténèbres sur trois. Alors, cette mission, c'est fait. Cette mission, c'est fait. On a encore quelques trésors à trouver dans le sous-sol. On a trois qui nous restent à trouver dans des parties inconnues. On a une bonne partie de la carte encore à découvrir. Quelle heure il est? Il est 11h31, on va basculer un peu sur du rétro, qu'est-ce que vous en pensez? Mon cheval est là. Bah écoute, merci, passe un bon, bonne fin de dimanche, Dr. Jones, à plus tard. Est-ce qu'on se rapproche des Gerudo ou est-ce qu'on va se faire un peu d'arcade? On peut se faire un peu d'arcade, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse décider. Non, on va se mettre à la surface déjà. Qu'est-ce qu'on a mission à faire? Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Tu l'as faite celle-là de mission en noir et blanc? En rouge et noir. On en a fait pas mal, hein. Couvert de vase. Encore pas mal de missions à faire. Je te parle pas? Ok. Bon allez, on va sauvegarder. On va passer un peu sur de l'arcade. Ça fait du bien de jouer à Zelda. J'avais pas touché au jeu depuis... une semaine. Et c'est cool. Allez, on va éteindre la Switch.